Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente très très rapidement un petit produit tout simple qui se prénomme pour l'un le Jazz Mini, c'est celui-ci. Pour l'autre, le Cube Mini, c'est celui-là. Il est question d'un pied pour tablette, tout simplement. Quelque chose de sympa, à la finition exemplaire, hein, aluminium. Anodisé avec un aluminium usiné, pardon. Donc les petites rondelles en caoutchouc qui vont bien pour éviter le dérapage, des petits pieds caoutchoutés, un rappel de la marque dans la masse du caoutchouc. Pour la cube, pardon, décidément, c'est un peu la même chose. Ici, un pied caoutchouté, plutôt pour les 10 pouces. Un pied un peu plus massif et plus lourd, avec une base caoutchoutée. Le rappel couleur master. Donc des produits au design plutôt sympa, je l'ai dit, le défaut c'est le tarif. Au niveau du bundle, c'est accompagné de tout ce qu'il faut, hein, des guides de l'utilisateur, sachant que c'est pas très très compliqué, etc. Et des clauses de garantie. Bon, je l'ai dit, c'est plutôt pratique pour les gens qui, comme moi, n'ont pas forcément de housse super tip top qui tient en position assise debout couchée. Pratique aussi pour les gens qui ont tendance à laisser traîner leur tablette un peu n'importe où, parce que du coup ça impose de revenir la poser, ça c'est pas mal. Relativement compact quand vous décidez de vous l'emmener avec vous pour pouvoir procéder à une lecture sympathique, hein, quand vous êtes un grand lecteur et que vous l'utilisez une liseuse ou une tablette, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça va dans tous les sens. Le Jazz est compatible 7 pouces et smartphone, le Cube 7 pouces et 10 pouces. Voilà, 19€, c'est le seul défaut. Mais au-delà de ça, ça reste un produit plutôt esthétiquement réussi, et sympathique et pratique. Voilà, je vous invite à revenir sur cocotteland.com. Je ne suis pas certain de faire un test très très long par rapport à ça. Mais donc, un petit produit sympa de chez Cooler Master. Voilà, allez, à très bientôt, et je vous dis au revoir.